retrouver dedans. Je vais descendre de l'autre côté, mais enfin fais gaffe. Oui, là tu peux te mettre à l'abri ici si tu veux. Mais ah, t'es à l'abri, là en dessous du truc. Quoi? T'es à l'abri, Ah bon, moi là aussi, hein, si tu veux, tu mets la locataire là, tu bouges là. J'ai pris trop de poisson. Bouge la baguette, tu la parques de haut par là. Et tout instant, là, tu te mets là-dessus, j'ai trouvé. Ou alors on peut retourner. Attends. Non mais de toute façon, juste. Ça va? Ouais. Et il est passé 10 fois, mais c'est comme ça, hein. Et alors un certain. Là-bas, il va manger près des arbres, près tout ça. Ils étaient deux, tu me le dis. Ils étaient deux, ils avaient passé d'un côté à l'autre. Maintenant, il est calmé. Je ne l'ai plus vu. C'est dommage parce que là. Mais elle est où celle-là? Juste un petit peu aller 3-4 mètres devant là, puisque c'est là que tout le monde pêche. Ah oui, alors, si je suis ici, j'ai pas besoin d'aller bien loin. Hein. En plus, c'est plus facile pour amorcer. Mais ici, j'en ai pris 3 quand même. Et ici, la dernière, c'est des machins de. Mais bon, plutôt que sec. Mais tantôt, hein, j'ai préparé dans l'auto. Mais moi, j'ai lié les baguettes comme j'avais dit, tout ça, mais pas le parapluie. Après j'arrive ici, je dis, ben, il faisait bon. Je l'ai laissé dans la voiture. À un certain moment, il commence à brûler comme ça. J'ai dit, merde, je vais chercher quand même. J'ai déjà bien fait parce que là, il était nez. Hein. Tu veux essayer de t'asseoir dessus? Attends, hein. Non, je pense que je vais t'éclater le truc. Tu vas le saut. Hein? Je vais t'éclater le. Le quoi? Le saut, tu crois? Oh, je attends, petit. On va essayer. Hein. Juste la loque ici, peut-être. Oh, mais tu seras mouillé, hein, mouillé pour mouiller. Ben. C'est parce que j'ai beaucoup de branles dedans, moi, ici. Attends. Non, hein, ben, je là. Hein. La guerre, ça pose. Mais moi je suis mal foutu aussi, c'est tout parce que. Mais c'est un peu. C'est ski, hein, ici. Ouais, c'est un peu court. Et alors, moi je voulais absolument venir ici, et puis je m'installe les baguettes, et puis je dis non, mais Dieu, merde, comment est-ce que je vais mettre le chaud parce qu'il ne tient pas. Il faudrait mon plancher, là, que je règle la hauteur. Mais bon, pour aujourd'hui, c'est bon, ça. On dirait qu'il s'éclaircit, mais c'est néconçant. Hein. Ah, ils ont mis la météo, c'est. Ah oui, mais ils avaient dit une amélioration après-midi. Et quand je suis arrivé, je te dis, c'était vraiment impeccable. Mais tant qu'il n'y a pas de vent, ça ne me dérange pas trop. Non, donc Dieu, si tu avais été là il y a une heure, tu aurais vu que le bazar, il n'arrêtait pas. Et puis c'est marrant parce que dans le sens où il tourne, il est éloigné. Et il passait toujours. Et ici, il y a quelque chose qui est changé parce que j'avais pas le moteur qui. Les courants, c'est un peu changé le courant. Mais froid, il ne fait pas froid. Hein. Mais il ne passe plus. Effectivement. Et alors, la première fois, de nouveau, je le vois, il est dans là. Et j'ai voyé qu'il pêchait là-bas. Il pêchait, hein, oui, de ce côté-là, il pêche beaucoup. Et dans cet arbre-ci aussi, il pêche beaucoup. Mais il faut qu'il soit tout seul, parce que sinon, il est dérangé. Mais moi, ici, je ne le dérange pas. Hein. Je dis, il passe à 3-4 mètres ici. Ici, devant, comme ça. Et il arrive jusque là-bas. Mais si tu restes tranquille... Ah, mais je suis planqué ici, donc... Pas de problème. Si tu fais pas de bruit une fois qu'il est habitué, non, c'est sûr. Tu n'as même pas mis ton équipement. Oh, je peux. Ah, mais tu ne peux pas non plus comme ça. On ne compte pas rester. Bah non, hein, mais. Oh, t'as quand même de la lumière assez. T'as mis ton machin. C'est quoi ça? T'as mis la caméra? C'est la caméra qui tourne, comme ça. Tu vois les films et les photos que je filme. Ah, mais ce serait bien qu'elle parte, hein, que ça. Ça c'est trop beau. Ah oui, j'avais tout avec moi, hein. Impeccable. Sauf le parapluie. Moi j'ai dit merci, je vais me le chercher. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des branles, il faut encore. C'est-à-dire que le problème que j'ai, c'est que. C'est toi ça? Oui, t'as touché. Oui, c'est moi qui ai touché. Ah, oui, d'accord. Le problème que j'ai, c'est que je prends la baguette ici parce que je ne sais pas, j'ai pas de rousse. Si je vais acheter et j'ai deux rousses, j'arrive directement à l'autre pour le brochet, j'ai pas besoin de ça. Ah oui, donc là j'essaye de pêcher une petite rousse. Si j'avais pris une rousse de 15 cm comme c'est obligatoire, parce que j'en ai pris une qui était trop petite et une c'était trop grosse, ça me fait peindre. Ah oui, donc il faut une de 15 cm. Il faut minimum 15 cm. Le plus petit, quoi, c'est ça. Le plus près de 15, ouais. Parce que 30, je pourrais avec. Hein, ça, ouais, ouais. Mais tu veux une toute petite parce une que, de 15, c'est. Mais légale, quoi. Ou alors 15. Je vais les acheter, je vais acheter un 45. Ça, oh. Là, le héron. Ah non, c'est un cormoran.
Ah, ils étaient là tantôt, oui, effectivement. Ils sont derrière lui. Ils savent bien ce qu'ils font. Hein. Mais tu vois, c'est des poissons qui passent. Parce qu'autrement, la grosse, si ça avait été comme l'autre fois que j'avais un banc de gros, oh de Dieu, t'avais plus une seconde à toi. Ici, c'est pas le cas. Il y en a deux qui tantôt sont venus, hein, discuter, sous la pluie, hein. Là, debout, ouais. Ils sont demeurés là, je sais combien, mais pas tellement habillés pour, hein. En training, ah, non, oui, en training, ouais, oui. C'est tout dilemme. Et il y a un chauve, il y a un chauve dans les deux, là. Sans doute, ouais. Attention, hein, c'est des types qui viennent nettoyer et tout ce qui s'ensuit, donc ils sont aussi, ils viennent pêcher sans doute régulièrement. Ah oui, hein, aussi, et puis ils passent voir ce qui se passe. Et ils nettoient, et j'ai vu qu'ils regardaient si la poubelle fallait la vider et tout ça, donc ils font partie, je crois. Et c'est une voiture blanche. Oui, absolument, là. Exactement, on dirait même un break. C'est ça, un tour de Kangoo. Oui, ouais, c'est ça. Eh ben, oui, il était là. Effectivement, c'était une voiture blanche. Humide, un tout petit peu humide. Il faut surtout c'est par là, hein, quand tu sors de là, parce que c'est ici, et encore, c'est plein de feuilles et tout ça. Je te dis, c'est l'autre là que le gars, quand il s'est arrêté, il était dedans, avec matériel, avec tout. Hein. Ouais. Il n'a pas su se rattraper, hein. C'est très quand tout ça ici. Mais si, c'est que la pente est douce, hein, du côté pour remonter, c'est pas des escaliers. Ah oui, mais ici, quand tu passes, si tu glisses, tu ne sais pas te revoir. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu voles, ah, ici, oui. Tu ici, voles oui. La gueule dedans. Hein. C'est les 2 cm ici, les 10 mètres. Ah, oui, là. Je sais bien, parce que j'avais été voir de l'autre côté en revenant. Ah ben quand j'ai été chercher le parapluie et j'étais voir derrière là-bas et en revenant je non de jeter j'ai mis tout en faisant très très attention, ne pas commencer à glisser parce que là si tu démarres je veux ça, si tu voles la gueule dedans je crois que c'est bon pour retourner. Il n'est plus là, t'as pas de chance parce que plus là du tout, hein. Je dirais qu'il pourrait rappliquer les mecs.